Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope pour les Capricornes en signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de février 2021. Donc ça y est, j'ai fini tous les horoscopes. Donc vous pouvez aller voir vos correspondances ainsi que le signe de votre chère étante. Je rappelle, c'est une guidance générale. Si vous désirez une guidance personnalisée individuelle, vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Allez, on y va. Capricorne, février 2021. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta réussite matérielle et financière. Tu as pu être dans une situation compliquée, mais on te dit bien que tu te libères de cette énergie de manque. Tu entres dans une énergie d'abondance et tu vas pouvoir créer un vrai cocon matériel douillet et réconfortant. Voilà, donc un mois qui a axé donc déjà sur le bien-être matériel et financier. À la fin de cette guidance, je ferai quelques tirages spéciaux flammes jumelles. On va voir avec l'oracle mystique de Marie-Madeleine, Capricorne, février 2021. On vous parle de l'arbre de vie et de centrage. Vous êtes centré sur votre axe et sur votre chemin de vie. On vous dit bien, suivez la ligne droite, vous êtes sur le bon chemin. En plus, on vous parle d'ancrage, de concrétisation avec l'arc-en-ciel derrière. Ok, on va regarder au niveau spirituel. Avec l'Inner Star, l'oracle de géométrie sacrée, Capricorne, février 2021. Capricorne, février 2021. Alors, je prends la première. Suivez le changement. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour ce mois de février. Et on vous dit bien de ne pas résister. Laissez-vous porter par le flux de la transformation, le flux de la vie. N'ayez pas peur du changement. Sortez de votre zone de confort. Parce qu'on nous parle bien là de concrétisation des projets d'ancrage. Le tout, c'est de suivre votre ligne droite, que vous soyez déterminé. Je rappelle, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Au niveau de la libération énergétique, Capricorne, février 2021. Pardon. Capricorne, février 2021. On nous parle d'une agitation intérieure. C'est pour ça que l'on vous demande de vous centrer, de ne pas vous éparpiller, de suivre votre but, de suivre une seule et unique direction. Avec l'oracle de l'énergie, Capricorne, février 2021. On vous parle, ah, il y en a deux. On vous parle de l'archange Gabriel. D'expression de soi et de vérité. Là, on vous dit qu'il y a des choses à dire parce que vous êtes, ça vous mine trop en fait, vous ruminez trop.
Et on vous dit que c'est par rapport à un problème d'attachement, de dépendance affective peut-être, et également de masque. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps d'exprimer votre vérité, peut-être votre point de vue également, hein, par rapport à un projet, une situation, voire même une personne. On va prendre l'oracle de lumière. Capricorne. Février 2021. Ok. Alors, on vous parle d'une carte ombre avec la carte de l'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Ne vous renfermez pas sur vous-même. On vous dit bien d'exprimer votre opinion, vos idées et de ne pas sortir de ce chemin. Vraiment d'oser vous affirmer. S'il y a quelque chose qui vous déplaît, qui n'est pas en accord avec vous-même, il faut le dire, il faut l'exprimer. Il ne faut pas aller dans d'autres sentiers battus parce que vous savez quelle direction il faut prendre. Avec les murmures de guérison, Capricorne, février 2021. Capricorne, février 2021. Je prends juste la première. On vous parle de méditation, vraiment d'ancrage, de centrage, de vous recentrer sur vous, afin de poser votre mental, parce que vous réfléchissez trop, vous posez trop de questions et vous doutez trop de vous. Ouais, je pense là, les Capricornes, il y a un manque de confiance chez vous parce que vous avez peur de l'inconnu. En tout cas, pour ce mois-ci. On va regarder maintenant au niveau général avec le petit Béline. Février 2021. Capricorne. Février Capricorne 2021. Alors, c'est fou parce que avec d'autres signes, là, les trois derniers signes que j'ai faits. Il y a beaucoup de cartes qui se rejoignent. On vous parle d'une invitation de la part d'un homme. Alors vous adaptez, si vous êtes un homme, vous adaptez également si vous êtes un couple d'homosexuels. Hein. Vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Bon, on vous parle bien. Il va y avoir des discussions autour d'une table par rapport à du travail par rapport à du financier. Peut-être que vos points de vue ne seront pas les mêmes. On vous parle de passion à venir. Et l'autre message que j'ai, c'est également que vous êtes passionné par votre projet. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Mais vous ne connaissez pas tous les aboutissants. Alors, on me parle de l'inconstance, mais pour moi, c'est au niveau de votre mental. Pour moi, vous manquez vraiment de confiance en vous. En tout cas, pour ce mois de février, les Capricornes, vous avez beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes.
Vous savez que vous devez changer des choses dans votre vie, mais là, c'est comme si vous étiez aux portes de ces changements et que ça vous faisait peur, hein. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de vous battre pour ça, mais c'est compliqué. Bon, on vous parle bien là quand même de passion, d'une union à venir avec la personne de votre cœur. Allez, on va peut-être en prendre une dernière. Et n'ayez pas peur d'avoir ces discussions par rapport à un projet professionnel, matériel ou financier, parce qu'on vous dit que vous avez la réussite. Et même sur le couple, hein. Mais je pense que voilà, vous vous sentez isolé, vous vous sentez exclu et vous vous mettez un peu en retrait. Et là, on vous dit de vous révéler, de vous réveiller, d'oser affirmer qui vous êtes, parce que vous avez la réussite au bout du chemin. On va voir maintenant avec l'oracle de Laura au niveau sentimental. Capricorne. Bon, on vous parle bien, vous confirme bien, il y a une rencontre, hein, il y a une entrevue avec la personne de votre cœur. On vous parle de soleil, de bonheur à venir, d'épanouissement, mais ça passera par un alignement en vous, par une affirmation de vous-même, hein, une affirmation de vos idées, de vos projets. Capricorne, février 2021. Capricorne, février 2021. Ouf. Elle a failli voler celle-là. Bon, en tout cas, on nous parle une deuxième fois. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de feu, hein, avec la personne de votre cœur. Bon, on vous parle de grande réussite. Et je pense que par rapport à votre projet professionnel ou financier, moi je vous vois entouré de monde. Il y a du monde autour de vous. Capricorne, février 2021. Alors, on vous parle des signes du scorpion, mais on vous dit également de faire confiance à votre intuition. Vraiment, de ne pas vous laisser influencer par les autres, de sortir de l'ombre, d'oser vous affirmer. On vous parle d'une réconciliation à venir. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, on vous parle d'un lien karmique. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à ce lien karmique. Donc, peut-être qu'on va vous demander également de vous exprimer par rapport à une relation toxique. Hein, parce que là, on nous parle encore d'une dépendance, en fait, qui vous empêche de vous réaliser. Bon, on vous parle bien, hein, d'un homme qui vous aime énormément. Mais pour moi, là, il y a une mise au point à faire avec quelqu'un afin de régler une histoire de dépendance affective. Mais ce n'est pas cette personne qui revient vers vous. On me parle de communication, de nouvelles. Mais peut-être que c'est vous également qui allez retourner au contact. Hein. On vous dit d'avoir confiance en vous, les Capricornes. Parce que là, je ressens vraiment de l'agitation, des doutes, des peurs. J'y vais pas. Ok. On va prendre l'oracle Sacré-Cœur. Capricorne.
février 2021. Bon, on nous parle bien d'une période de gestation par rapport à un amour partagé et heureux, par rapport à un amour qui est réciproque, d'un amour enrichissant puisqu'on a la carte de la corne d'abondance. Bon, c'est clair et net les Capricornes, hein. Trois fois la carte de l'invitation. Mais pour moi, c'est peut-être que c'est vous qui allez revenir au contact, mais c'est la personne de votre cœur qui va vous proposer de vous voir. Hein. Capricorne, février 2021. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie. Alors on vous dit là, la pensée instantanée que vous avez eue là, à l'instant même, focalisez-vous là-dessus. Et on vous dit que cette invitation, en fait, ça va être une surprise. Ça va vous surprendre. Capricorne, février 2021. On vous parle d'une période de rencontre, d'une nouvelle porte qui s'ouvre. Capricorne, février 2021. Mais on insiste à me dire là, attention, attention à ne pas vous laisser porter par vos doutes, vos peurs, vos hésitations quand cette personne va revenir. Parce qu'on me dit bien que ça pourrait vous jouer des tours quand même. Oui, parce que vous voyez, pour moi, il y a encore des histoires de trahison, de mensonges et de déception. C'est comme si vous aviez peur en fait de faire confiance de nouveau à cette personne. Ouais. Et pourtant cette personne, elle pense beaucoup à vous. Elle a des projets avec vous. Donc moi j'insiste, hein, j'ai vraiment le message, ne faites pas tout capoter les Capricornes. On vous dit bien qu'il y a beaucoup d'alchimie entre vous, beaucoup de désir, beaucoup d'attirance. Mais ne doutez pas, ne doutez pas. C'est comme si vous étiez resté sur une trahison là. Une trahison, une déception. Et ça vous isole. Hein. Et pourtant vous avez la réussite sur l'union. Donc attention à vos pensées, parce qu'on vous dit bien qu'avec cette personne, vous pouvez construire quelque chose de stable, de solide, mais en fait, ça ne va dépendre que de vous. On vous dit que vous pouvez compter sur votre entourage proche. Peut-être même que pour certains et certaines, c'est votre entourage proche, en fait, qui va essayer de vous remettre ensemble. Ok. Donc maintenant, on va faire un tirage spécial flamme jumelle. Voilà, en tout cas, les Capricornes, pour ce mois de février, il y a quelqu'un qui revient, on nous parle d'invitation. On nous dit que vous pouvez construire quelque chose de sérieux avec cette personne. Mais attention, il faut sortir de votre zone de confort. Que ce soit au niveau matériel, sentimental ou financier, il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'inconnu. Hein. Parce que sinon, vous allez... En fait, vous réfléchissez trop. Profitez de l'instant présent.
Capricorne. Donc là, c'est spécial flamme jumelle avec le tarot des flammes jumelles. Capricorne, février 2021. Bon, on vous parle d'énergie tierce. Je rappelle, les énergies tierces, ça peut être bien sûr une triangulaire, mais ça peut être également des peurs, des blessures, des doutes, des situations bien particulières, un problème de santé, des enfants, un divorce qui n'est pas réglé. On vous dit que vous vous rejoignez la nuit, vos âmes se rejoignent. On vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir, que l'un et l'autre vous gardez espoir. On vous parle bien d'amour passionnel parce qu'il y a quand même la notion du feu, beaucoup de passion entre vous. On vous dit que votre jumeau ou votre jumelle, vous adaptez à votre situation, est en plein éveil spirituel. Il est en recherche d'alignement sur lui-même, de centrage, d'ancrage. Bon, là, il y en a trop. Ça ne me parle pas. Capricorne. Février 2021. C'est comme si en fait c'est ce que vous vouliez au plus profond de vous, mais moi j'ai de la peur, je ressens de la peur. Pourtant on vous dit que vous êtes protégé et votre lien est protégé. On vous dit bien que les choses avance. Oui, qu'il y a de l'attente, mais peut-être que ça vient de vous. Et on vous dit bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de pensées. Vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Pour moi, il y a une forte connexion. Alors, on nous parle de surveillance. Donc, soit vous surveillez l'un et l'autre, tous les deux, soit il y en a un des deux qui surveille l'autre, à savoir voilà, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il y a quelqu'un, pas quelqu'un. Et on vous invite une deuxième fois à la méditation pour poser votre mental, parce que moi le message que j'ai, les Capricornes, c'est que votre mental pourrait vous jouer des tours si vous ne vous réalignez pas. Et on vous dit bien, ne doutez pas, il y a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités qui viennent vers vous. Et on vous parle d'une période de joie à venir. On va prendre quelques cartes du grand jeu des flammes jumelles. C'est comme si, moi je ressens comme si vous vouliez aller de l'avant, mais vous freinez quelque part. Et on vous dit bien, vous êtes protégé. Il y a beaucoup d'espoir. Capricorne. Bon, votre jumeau, de toute façon, on me le confirme. Et en plein éveil spirituel. Donc, connexion entre le chakra coronal et le chakra sacré, et il travaille vraiment à l'alignement de ses chakras, à être aligné en lui-même, à reprendre confiance en lui, à acter des choses dans la matière. Il est très très connecté. Alors c'est quelqu'un qui a peut-être un regain de créativité, d'aller vers ses passions. On nous parle d'une communication à venir. Bon, il y a encore, avec la carte du poignard, l'histoire de la trahison. Et j'ai l'impression que c'est sur tous les deux.
Il y a encore là une blessure une partie de la blessure de trahison à travailler. Et pour moi, là, c'est vraiment sur le lien. C'est tous les deux. Oui. On vous dit attention à ne pas reprendre la fuite à cause de cette trahison qu'il y a eu entre vous. Hein. Alors, soit vous êtes trahis l'un et l'autre, soit il y a un des deux qui a trahi l'autre. Mais il est nécessaire de pardonner et de passer à autre chose. Oui, on me parle d'une période de solitude, de repli sur soi. Mais on vous dit bien que cette personne, elle va réussir à lâcher prise. Hein. À lâcher prise, à sortir de cet emprisonnement. Hein. Parce qu'on nous parle de jalousie. Bon, et pourtant, au bout du chemin, hein, il y a bien l'alliance, il y a bien l'union, une deuxième fois. Il y a bien ce contrat d'âme. Et pour moi, c'est quelqu'un là qui est en train de réaliser que de toutes les façons, vous êtes liés à jamais. On va prendre quelques cartes pour voir où en est votre autre. Avec les arcanes mineures de l'oracle de Laura. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, on vous parle quand même de patience. Que l'un et l'autre, vous vous protégez. Ils se protègent. Capricorne, février 2021. Voyez, attention au mental, les Capricornes, pour ce mois-ci. Vous êtes trop dans le mental. Vraiment, travaillez sur les doutes et les hésitations. On vous dit de lâcher prise, d'avoir la foi. Les flammes jumelles, c'est avant tout un parcours de foi. Faites confiance à vos guides, à vos anges gardiens. Bon, vraiment, hein, on insiste. Hein, il est nécessaire de dire une vérité et d'avoir confiance en vous. On vous dit bien que vous allez retrouver votre pouvoir. Et votre jumeau vous voit vraiment comme une personne qui sait ce qu'elle veut, qui a tracé sa route, qui est passionnée, qui est créatrice. Bon, il y a beaucoup de magnétisme entre vous. Hein. On vous parle bien. Si vous maîtrisez vos émotions, on a la célébration au bout du chemin. L'abondance, la richesse. Donc, lâchez le mental, les Capricornes, pour ce mois de février. On va prendre quelques cartes avec l'oracle du Xavam, d'Amandine Bocquet. Capricorne, février 2021. Oui, attention aux choses cachées. Attention aux choses cachées. On vous dit bien, il va être nécessaire de vous dévoiler, d'exprimer votre vérité. Bon, et on nous parle encore là de doute, hein, d'hésitation. Et on vous dit bien, on vous parle d'amour secret. Hein. Donc cette personne vous aime, mais peut-être qu'elle ne vous le dit pas pour l'instant. Hein. Et on vous dit bien qu'il y a une notion de prendre de la hauteur, de se sentir libre, de s'élever. Vraiment de voir la situation sous un angle différent. On va prendre quelques cartes de l'oracle coup de cœur. Capricorne, février 2021. On vous parle
parle bien d'une période de gestation, mais on vous dit également de sortir de votre isolement, de sortir de votre repli sur vous-même. Il est temps de naître, de renaître. Et avec la carte plume, on vous parle bien d'espoir, de rêve. Mais on vous dit attention à l'inconstance chez vous, les Capricornes, là, pour ce mois de février, hein. Ça fait deux fois qu'on insiste là-dessus. Il va vraiment falloir travailler sur le mental. Parce que cette personne, quand elle va revenir vers vous, vous allez fulminer, hein. C'est d'où cette agitation intérieure. Et on va terminer par quelques cartes des 50 nuances de mon autre pour savoir qu'est-ce qu'il pense, Capricorne. Février 2021, qui était déjà retourné. Capricorne, février 2021. Bon, écoutez, c'est une carte magnifique. L'un et l'autre. Vous voulez donner et recevoir. Vous êtes aux portes là de retrouvailles, de réunions. Bon, je rappelle, c'est du général, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais on vous parle bien d'un cadeau, d'une surprise. Donc lâchez les doutes, lâchez les prises, lâchez le mental, les Capricornes. Et laissez faire les choses. De toute façon, cette personne-là, elle va faire tomber ses masques. Mais c'est également un message pour vous. Attention à votre camouflage. Capricorne, février 2021. Bon, on vous parle bien, hein, de la prise de conscience de votre jumeau, de votre moitié. Il a de plus en plus d'intuition. Il y voit de plus en plus clair. De toute façon, il sait que c'est vous, il le sait. Hein. Et là, vous êtes poussés l'un vers l'autre. Donc, il y a encore un travail au niveau de l'ego. Bon, magnifique. On va terminer là-dessus. Donc, on a vraiment une histoire de surveillance de la part de votre jumeau, hein. Et alors, regardez bien, il vous dit « je t'aime ». Mais voilà, il a fallu le temps du téléchargement, hein. Donc ça peut être plus ou moins long. Mais là, ça y est, le loading est terminé. Donc on nous parle d'amour inconditionnel pour aller vers quoi? Pour aller vers cette réunion. Donc vraiment lâcher le mental. Voilà, on nous parle d'un engagement. Et c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui est très nostalgique, hein, à qui vous manquez. Moi, le manque, là, c'est vraiment au niveau du lien. Donc, il peut y avoir des réunions, mais attention à laisser le passé derrière vous, hein, et à lâcher les doutes. Voilà les Capricornes pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Une très très belle journée. Croyez en vous, croyez en votre jumeau, croyez dans le lien. Bye bye.